Carmen, c'est une fille de 18 ans qui, je crois qu'elle a compris plutôt tôt la vie à cause de les expériences qu'elle a vécues antérieurement. Et à cause de ça, elle a aussi une philosophie très particulière et très claire de la vie pour elle. Carmen, c'est difficile de décrire parce que c'est un rôle très riche et c'est une femme très, très riche. Mais bon, peut-être si je vous dis quatre mots pour décrire Carmen. Pour moi, c'est liberté, c'est passion, c'est une philosophie et c'est la force. Retourne chez les tiens. Et ne viens plus rentrer chez moi. Allez. L'œuvre de Carmen, je la connaissais déjà parce que c'est un mythe. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent. À Espagne, j'avais vu déjà des versions de Carmen, des antérieures versions de films de Carmen. J'avais lu l'histoire. Je la connaissais déjà, mais on essayait avec Jacques de faire un Carmen différente. Je n'ai pas regardé le film antérieur parce que je voulais créer un Carmen un peu distancié, différent de les autres. Mais oui, c'est toujours un plaisir de refaire ce rôle que c'est pas facile pour jouer. Mais c'est un cadeau pour moi d'avoir eu l'opportunité de faire ça. Conforme, como una mosquita muerta. Bonita, baila, baila, bonita. Travailler avec Jacques a été très, très fort. On a répété pendant 4 mois, un peu plus je crois. J'ai pris des cours de flamenco parce que je ne savais pas danser, rien du tout avant. Et j'ai pris des cours de flamenco à Barcelone, c'est où j'habite. Et après j'ai pris aussi des cours de flamenco à Paris avec la chorégraphe qui après elle m'a aidé à faire les danses dans le film. J'ai pris aussi des cours de français parce que je ne parlais pas du tout le français quand j'ai commencé Carmen. J'ai pris les cours de français pour la prononciation des phrases du scénario. Et on a répété avec Jacques et avec tous les autres comédiens pendant 4 mois. C'était super vraiment parce que pas toujours tu as l'opportunité de répéter et de créer les personnages à côté de ton réalisateur qui est avec toi, qui te répond les questions que tu as sur le personnage. De créer cette magie avec les autres comédiens, parce que c'est très important. Et après, quand tu vois le film, ça se voit que tu as une relation spéciale avec tout le monde. On a passé de très bons moments. Pour moi, quand je suis arrivée, j'avais peur, j'avais un peu de... J'étais nerveuse parce que pour moi, c'est pas facile de venir d'Espagne dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu connais pas. Je connaissais personne, mais moi, je suis très contente. Tout le monde m'a pris dans ses bras et tout le monde m'a aidé beaucoup. Et je crois qu'on a fait un film très beau. Je crois que si vous aimez la liberté, si vous aimez le travail, si vous aimez l'amour et si vous aimez les femmes, il faut voir Carmen parce qu'on a fait ce film avec que d'amour, beaucoup de liberté. Il y a de la magie, il y a du travail et ça raconte l'histoire d'une femme. Comme ça, je crois que vous allez aimer beaucoup le film. Et c'est ça, c'est tout.